Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit update sur mes plantes qui ne réagissent pas très très bien à l'automne. J'avoue que en ce moment, j'ai un peu du mal. Il y a beaucoup de plantes qui vont pas hyper bien et la plupart, c'est des plantes que j'ai depuis longtemps. Et du coup, c'est assez difficile pour moi à gérer et j'ai tendance à laisser tomber parce que ça me gonfle, voilà. Ensuite, j'ai pas mal d'entretiens à faire. Bah, forcément, c'est dimanche aujourd'hui. Je filme un peu en retard parce que hier, j'ai pas du tout eu le temps. Donc aujourd'hui c'est dimanche, il faut que je m'occupe de tout ça, que j'arrose. Et j'ai mon ficus tinéqué qui est pas en super forme en ce moment, je vais vous montrer ça. Et du coup j'ai décidé d'essayer de le rempoter parce que j'ai peur que son terreau est devenu hydrophobe en fait. Il n'absorbe plus du tout l'humidité, à tel point que la plante a fait des espèces de racines aériennes, alors que normalement un ficus c'est pas forcément censé en faire. Elle a fait des racines aériennes qui se sont replantées dans le terreau parce que je pense qu'en fait, vu que le terreau n'arrive plus à absorber l'eau, la plante cherche par tous les moyens à trouver de l'humidité quelque part quoi. Donc ça, et ensuite je voulais faire un point sur les marantas parce que c'est un peu la cata des marantas en ce moment. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je sais que Eline, il y a Roxy qui me lâche pas, je sais que Eline a du mal aussi en ce moment avec les marantas. Je sais pas si vous c'est le cas, dites-moi si vous aussi elles sont un peu en PLS en ce moment, mais je vais vous montrer, j'ai dû en rebouturer certaines parce que ça n'allait pas en fait, le tronc de base était en train de pourrir. Alors celles qui étaient en pont, il y en a certaines qui étaient aussi en train de dépérir, du coup je les ai mises sur tapis chauffant, mais j'ai pas assez de tapis chauffant pour les mettre toutes sur tapis chauffant, donc j'ai mis sur tapis chauffant, ça fait beaucoup de fois le mot tapis chauffant, j'ai mis sur tapis chauffant, donc celles qui vivaient le plus mal leur vie en pont. Et les autres, je les ai laissées parce que ça a l'air d'aller. Ensuite, j'ai mes alocasias qui sont pas en forme non plus. Bon, en soi, il n'y a pas tout qui va mal. Hein. Ce serait mentir de dire que tout va mal parce que j'ai des plantes qui vont plutôt bien. Je vais vous montrer aussi. J'ai ma Monstera variegata qui est en train de refaire une feuille depuis que je lui ai mis un tuteur. J'ai mes calathea qui s'éclatent, qui vont super bien. D'ailleurs, je pense que c'est la seule famille de plantes qui s'éclate vraiment en ce moment et qui va super. Je saurais pas expliquer pourquoi. Pourquoi les calathea, ça va super et les marantas ça va pas du tout alors que c'est toutes les deux des marantacées, qu'elles ont les mêmes conditions, je comprends pas. Et je veux aussi vous montrer des petites nouveautés, alors c'est pas grand chose mais je voulais vous montrer quand même. Je me suis donc attaquée à l'arrosage des petites plantes. Ça c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, deux fois par semaine. Je fais vraiment le tour d'absolument toutes. C'est très rare que j'en oublie, même si parfois malheureusement ça arrive. Je vérifie quelques plantes qui sont en pont pour vérifier s'il y a encore de l'eau, parce que comme j'ai pas de système de réservoir fait exprès, et ben du coup je vérifie s'il y a de l'eau au fond du cache-pot. Et j'utilise comme d'habitude pour pas mal de plantes mon mesureur d'humidité, même si ça arrive que je le trouve pas très efficace et que je préfère toucher la terre. Hein. Et comme je préfère doucher les plantes, j'en amène à la douche. Alors je ne fais pas forcément pour toutes, mais bon, quand même pour la majorité. Et là, j'ai décidé de mettre un petit peu d'engrais. Alors je ne fais pas de dosage vraiment millimétré. Hein. Je fais à peu près, je mets une petite pincée dans mon arrosoir, je secoue et voilà. Là, par exemple, pour le Pothos Enjoy, ça me disait qu'il était sec et en fait, je trouvais qu'il ne l'était pas. Donc finalement, pour les deux autres Pothos, j'ai fait à la main. Ceux-là, j'ai pas douché parce qu'il n'y en avait qu'une des deux qui avait besoin. Donc le but n'est pas de surarroser celle qui est en dessous. Et ensuite, j'ai vérifié les petites plantes de mon étagère. Et j'avais besoin d'arroser les deux Séropédia seulement. Parce que le reste n'avait pas besoin d'être arrosé. Je les ai donc emmenés dans la cuisine. Alors parfois je les arrose en les faisant tremper et parfois non. Aujourd'hui j'avais pas envie de les faire tremper. Il me semble que je l'avais fait la dernière fois. Et je mis mon petit pilea par contre à faire tremper parce que son terreau sinon j'ai l'impression qu'il s'imbibe pas bien d'eau. J'enlève quelques feuilles comme je vous disais.
ma Cerropedia variegata n'est pas dans sa plus grande forme. Et je les remets en place. Ensuite, je m'occupe des Tradescantia qui sont dans ma cuisine. Dans ma cuisine, il n'y a que des Tradescantia. J'ai un peu des tocs et j'ai tendance à rassembler les plantes de la même espèce dans la même pièce. Là, il y avait une petite feuille qui avait séché. Et là, je me suis rendu compte donc qu'il y avait beaucoup, beaucoup de feuilles qui avaient séché. Donc je les ai enlevées. Je pense que j'ai dû louper un arrosage. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas vérifié celle-ci. Et donc, pareil, je la fais tremper. Parce que de toute façon, il n'y a pas de place au-dessus pour pouvoir passer le bec de l'arrosoir. Ensuite, je vérifie ma zébrina et je galère toujours à savoir si je dois l'arroser ou pas. Je sais jamais trop si c'est le moment, je tâtonne, alors du coup quand j'hésite, ben, je décide de pas l'arroser. Ensuite, je vais faire tremper également celle-ci. Les misères, je préfère les faire tremper de manière générale. Je n'aime pas trop mouiller leur feuillage. Ensuite, je vérifie la terre de mes philodendrons et le verrucosum. J'avais déjà repéré que les feuilles s'affaissaient, donc je me doutais qu'il fallait l'arroser. Et c'est pas une mince affaire, parce qu'il prend beaucoup de place dans la douche. Et je lui mets aussi de l'engrais, vu qu'il n'arrête pas de faire des nouvelles feuilles. Ça ne lui fera pas de mal. Ensuite, je suis toujours dans la chambre, je vérifie les houillas et les plantes de mes étagères. Le pothos, je savais que je l'avais fait il n'y a pas longtemps, mais parfois il me surprend à sécher en 3 jours, donc je vérifie quand même. Les houillas, je trouve qu'il ne faut quand même pas les arroser très souvent, en tout cas elles mettent du temps à sécher, et le lupinum, il ne sèche jamais. Et ensuite, j'ai emporté avec moi les marantas qui sont en pont, pour rincer le pont justement. J'ai replacé le verrucosum pour faire de la place. J'ai récupéré 2 autres marantas en pont pour aller m'occuper de toutes les marantas d'un coup. Et entre temps, je me suis occupée de cette petite Oya à qui je mets toujours que 2-3 gouttes. Et j'ai aussi emporté avec moi pour faire tremper mon Oya Croniana Super Silver. Des fois, je fais pas toujours les choses dans un ordre logique. Je vous promets, j'ai publié la... Je publie les vidéos dans l'ordre, c'est dans l'ordre où je les fais, mais... Oui, donc là, du coup, j'avais posé mes marantas sur le côté et je me suis occupée des philodendrons. Que j'arrose vraiment souvent, et ensuite, je me suis occupée donc des marantas. Je les enlève de leur cache-pot qui leur sert de réservoir d'eau. Je rince le pont pour toutes, et en même temps, ça permet de nettoyer le feuillage. Et je rince le réservoir, donc j'enlève l'eau. Et j'en laisse un petit fond pour constituer un nouveau réservoir du coup d'eau propre. Et je fais ça à peu près une fois par semaine pour toutes mes plantes en pont. Je sais plus, je crois que j'avais vu ça sur des chaînes américaines qui disaient que c'était mieux de faire ça. Et pour l'instant, ben, ça va. Donc je les remets ensuite dans leur petit cache-pot. Je suis allée les replacer. Et après avoir fait le tour de celle de la chambre, je me suis rendu compte que j'avais oublié le coin des Calathea dans le salon. Donc j'y suis retournée. J'ai vérifié les petites, alors les petites Calathea, je dois les arroser vraiment souvent parce qu'elles sèchent rapidement. En 4-5 jours à peu près, je dirais, même en cette période, parce que c'est vraiment des tout petits pots.
Celle-ci allait en réserve d'eau et il y avait encore un peu d'eau. Et les emmène donc à la douche, y compris celles qui sont en pont, pour faire comme tout à l'heure avec les mains en tas. Ma picturata argentea se porte beaucoup mieux qu'avant. Elle a plein de nouvelles feuilles, donc je suis contente. Je douche tout ça et je fais spécialement attention à la lancifolia parce qu'elle avait des trips il y a quelques jours. J'ai traité, mais bizarrement, c'est vraiment la seule plante sur laquelle j'ai observé des trips, alors qu'il y a ma Monstera deliciosa à côté qui d'habitude y est beaucoup plus propice, qui n'a pas l'air d'en avoir. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi. Ils ont décidé d'attaquer cette petite plante innocente. Je lui ai enlevé les feuilles les plus attaquées, histoire de minimiser un peu les risques. Donc je vérifie un peu plus, quoi. Et ensuite, je procède de la même manière pour les plantes en pont que tout à l'heure avec les Maranta. Puis je les remis à leur place. Je vérifie la White Fusion quasiment tous les deux jours. Parce que comme c'est ma préférée, il faudrait surtout pas que des trips osent aller l'attaquer. Et là, je m'occupe d'un énorme morceau, c'est mon Ficus tinéqué. Donc comme je vous ai dit, son terreau n'absorbe plus du tout l'eau. Et ça fait un moment que c'est comme ça. Et j'ai remarqué ces derniers temps que ses feuilles avaient tendance à être moins bombées et à tirer un peu vers le bas. Et en plus, j'ai dû enlever quelques feuilles jaunes à la base. Et j'ai pas envie de me retrouver avec un ficus tinéqué. Vous savez, ceux qui ont tout le tronc dégarni et qui ont plus que des feuilles au-dessus. J'ai pas envie de ça. Du coup, au moment où j'ai fait ça, déjà ça m'a pris un temps fou. Et ensuite, je me suis rendu compte que je n'avais plus de terreau. Enfin, si, il m'en restait juste un petit peu. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai mélangé de la tourbe avec du terreau pour orchidées. Le terreau de plantes d'intérieur qui me restait, j'ai rajouté du terreau à cactées, beaucoup de perlites, et je me suis dit, bon, comme ça, entre la tourbe qui va retenir l'humidité, le terreau à cactées qui va faire le contraire, la perlite qui va drainer, les écorces de pin aussi, ça devrait à peu près aller. Donc j'ai essayé d'enlever pas mal du terreau, mais c'était vraiment compliqué, c'était vraiment de la pierre, quoi. J'avais jamais vu ça. J'en ai enlevé pas mal et en fait les racines étaient sèches pour la plupart, donc c'est pour ça qu'il fait les racines aériennes pour réussir à trouver un moyen de survivre, alors qu'il aurait pu me dire je t'emmerde en fait, je décide de mourir. Et ben non, mon ficus tinéqué a décidé de chercher une solution par lui-même. Mais voilà. Et donc, je voulais aussi vous montrer deux, trois petites choses. Alors déjà, mon petit coléus que j'avais récupéré chez ma maman est devenu un peu plus gros par rapport à quand je vous l'ai montré la dernière fois. Et je trouve qu'il est absolument trop mignon. D'ailleurs, je vais le mettre de côté parce que j'ai oublié de l'arroser tout à l'heure. Ensuite, Eline m'a offert pour mon anniversaire ce petit Toya Compacta Variegata qui était dans ma wishlist. Donc je suis vraiment trop contente, il est trop mignon et c'était vraiment une plante que je voulais depuis un moment. Donc merci beaucoup Eline pour ce cadeau. Ensuite, quand je suis donc allée chez Eline ce week-end, d'ailleurs merci beaucoup pour vos retours sur les vidéos qu'on a tournées ensemble, ça fait vraiment super plaisir. Elle m'a donné cette petite bouture de Forbe Lactea White Ghost. Alors je la tiens parce qu'elle n'est pas du tout racinée encore pour l'instant, je l'ai juste posée sur la terre. Mais je trouve ça trop mignon. Alors c'était pas du tout voulu en fait, ce qui s'est passé c'est qu'en ouvrant les volets elle avait cassé un petit bout et elle m'a demandé si je voulais la prendre. Donc j'ai dit bah pourquoi pas, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas si ça va faire des racines, peut-être que ça mettra 2 ans à en faire. Peu importe, pour l'instant je suis contente de l'avoir. J'ai récupéré aussi, elle vous a montré dans son dernier vlog qui est sorti du coup hier, qu'elle avait acheté une Ceropegia String of Spades Variegata et du coup j'ai récupéré quelques petites boutures. J'espère qu'elles vont raciner, ça me fera une nouvelle petite Ceropegia et celle-ci je l'avais vraiment jamais vue donc je suis contente d'avoir pu en récupérer un petit peu. Et toujours chez Eline, j'ai récupéré cette bouture de Raphidophora tetrasperma qui est une plante que j'ai eue il y a un bon moment, sauf qu'elle était devenue trop grosse par rapport à l'emplacement où je voulais la mettre et je lui ai dit que je voulais avoir une version petite. Donc on a récupéré dans les boutures qu'elle avait faites de la plante, on a récupéré celle-ci et donc je suis en train d'essayer de la faire raciner. Alors au niveau des aglaonema, celle-ci ça va à peu près et celle-là c'est un peu galère. Alors je l'ai mise en pont et elle a sorti cette nouvelle feuille depuis, mais il y en a une ou deux qui ont jauni, donc du coup c'est un bilan plutôt mitigé. Cette Calathea médaillon, je me souviens plus trop si je vous en avais parlé, mais il me semble que oui. Où je vous montrais qu'en fait, ça n'allait pas trop. Et depuis que je l'ai mise en pont, elle sort une nouvelle feuille là et une autre derrière là, ici.
Là, Doty, tout se passe bien. Alors, j'ai enlevé quelques feuilles qui allaient pas trop bien. Et je pense que c'était de mon ancienne plante que j'avais rajoutée à la nouvelle. Et tout se passe plutôt bien. Elle a l'air d'avoir bien vécu la transition parce que les feuilles qui étaient en train de se dérouler se déroulent. Et on a même ici une nouvelle fleur. Ma Crimson va toujours bien. Elle fait également des nouvelles feuilles. J'en ai vu d'autres, voilà. Sauf que ce qui m'inquiète... celle-ci par rapport à la Doty, c'est que la Doty, le soir, elle se relève vraiment complètement. Alors que celle-là, il n'y a que les feuilles du dessus qui se relèvent. Et celles d'en dessous restent toutes raplapla. Alors, elles ne meurent pas pour autant. Elles ne sont pas moches pour autant. J'ai pas à les couper. Mais je ne comprends pas trop pourquoi elles se comportent comme ça. Je ne sais pas trop si c'est normal. Pendant un temps, j'ai cru que c'était parce qu'elle avait besoin d'être arrosée. Mais je l'ai arrosée et j'ai pas vu de changement. Donc, je ne sais pas trop. Au niveau du Pothos Moonlight, tout va bien. Cette plante est trop satisfaisante chez moi, j'ai rien à faire quoi, à part l'arroser. Bon, elle pousse super lentement, mais franchement, ça va. Mon McDowell fait partie un petit peu des frustrations en ce moment. Alors, il a sorti, vous voyez, cette nouvelle feuille immense, qui est toute floppy, et je ne sais pas pourquoi elle est toute floppy, parce qu'elle a un potentiel juste de dingue si elle se tenait droite, et elle est vraiment très très grosse, mais je ne sais pas pourquoi, elle veut pas se redresser. Alors j'ai cru aussi que c'était un manque d'arrosage, donc je l'ai arrosée, et il n'y a eu strictement aucun changement. J'ai essayé de mettre de l'engrais foliaire, ça n'a visiblement rien changé non plus, donc j'espère qu'elle va se redresser, parce que c'est vraiment dommage, elle pourrait être trop trop belle, comme celle-ci. Qui est la feuille de juste avant, qui elle est bien bombée et vraiment toute belle. Et là, elle, je sais pas pourquoi, c'est pas dingue quoi. Alors ici, j'ai mis un tuteur pour soutenir le tronc, parce qu'en fait, à chaque fois que je déplace la plante, le tronc bascule avec le poids. Donc j'avais peur qu'un jour, le tronc bascule à tel point que ça arrache les racines. Mon Pothos Manjula est pas mal dégarni, ça me rend très très triste, donc il y a pas mal de tiges. Je vais essayer de me mettre autrement qu'à contre-jour, donc il y a pas mal de tiges qui se sont dégarnies, et il y a pas mal de feuilles qui sont pas super belles. C'est pas... Il y a des feuilles jaunes régulièrement, et je sais pas trop pour quelle raison. Je pense qu'il y a un souci par rapport au fait qu'il soit en sphaigne. Peut-être que dans le gros pot, c'est pas durable de faire ça. Et on en a pas mal discuté avec Eline pour essayer de trouver une solution, mais franchement, à part tout rebouturer pour repartir sur une base saine et des racines saines, je vois pas comment faire, et c'est assez risqué. J'ai franchement peur de le faire, donc pour l'instant, eh ben je ne fais rien. Voilà. Donc je vous disais, ma Monstera variegata, que j'avais mise sur tuteur, d'ailleurs il me semble que je l'avais fait avec vous en vidéo, est en train de sortir une nouvelle feuille. Alors c'est un peu la déception au niveau de la taille, c'est-à-dire qu'elle est vraiment toute petite, mais elle continue à faire des variegations de façon un peu bigou comme ça, et comme les feuilles précédentes en fait, et je trouve ça très chouette qu'elle le fasse. Mais j'aimerais bien comprendre pour quelle raison elle fait des feuilles de plus en plus petites alors que le pot est plutôt d'une taille adaptée et que là j'ai mis le tuteur. On va espérer qu'avec le temps elle se rende compte qu'elle a quelque chose pour s'accrocher et que là les futures racines aériennes s'accrochent et que ça favorise le fait de faire des plus grosses feuilles. Mais pour le moment c'est un petit peu frustrant, un peu mitigé quoi. Alors j'ai pas éteint la lampe, je suis désolée, mais j'ai pas trop envie de refaire les réglages demain matin. Mais au niveau des Calathea, tout se passe à merveille. Et au niveau de ma Monstera Deliciosa, il y a une nouvelle feuille qui sort. Ce qui me surprend parce que ça faisait longtemps. Là, ici on a une nouvelle feuille en cours. Tant mieux, hein. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle en fasse une en cette période. De ce côté, ça va. Le Pothos Silvery Anne va bien. Ça, ça va. Le Bégonia, ça va aussi. Là, c'est le nouveau petit pilea que je vous avais montré. Par contre, ma chaîne de cœur variegata, alors là, elle a pas l'air, hein, elle a l'air magnifique, on est d'accord. Mais elle a souvent, souvent des feuilles qui jaunissent et qui tombent ces derniers temps. Je sais pas pourquoi. Alors effectivement, c'est une plante que j'ai jamais rempotée. Mais à la fois, j'ose pas le faire, ça me fait vraiment peur. J'ai peur de casser les racines et que ça n'aille pas. Et puis en plus, je me dis que c'est pas forcément la saison appropriée pour le faire. Donc ben, comme le Manjula, je ne fais rien. Et ma taille constellation a toujours une unique feuille et elle est toujours absolument sublime. Dans la chambre maintenant, le Gloriosum a l'air d'avoir apprécié son rempotage dans le pot rond là. Et sort cette nouvelle feuille et j'ai vu ce matin que là, il commence tout doucement à sortir ici.
J'arrive pas à faire le focus. Mais bon, vous avez compris. Et le verrucosum, alors c'est un peu mitigé aussi. Alors effectivement, il est très très beau, mais il arrive qu'il y ait des feuilles qui pâlissent et qui finissent par jaunir. Par contre, il a complètement dépassé son tuteur. Et vu que c'est un peu des tuteurs de fortune, j'ai pas vraiment la place pour mettre un vrai tuteur. Donc j'ai pas trop de solutions. Donc je pense que quand Eline viendra chez moi, elle prendra ce qui dépasse là-haut. Au fait, merci pour tous les conseils que vous m'avez donnés à propos de l'orchidée bijoux. Donc je voulais vous montrer, elle va super bien, donc elle en sphaigne. Elle était en sphaigne quand je l'ai reçue, donc je l'ai laissée et elle fait une fleur. Je pense qu'il va falloir que je l'arrose, j'ai l'impression que la sphaigne est sèche, je vais m'occuper de ça. Donc voilà ce que ça donne, mes marantas. Alors du coup, manoïde, il me reste ça et les tiges, il y en a certaines qui pourrissent. Je dois régulièrement enlever des feuilles jaunes. Hier, j'en ai enlevé plein. Et j'ai vu qu'il y en avait une qui commençait à faire une racine. Donc au pire, pire du pire, il me restera une bouture de deux feuilles quoi. Là, c'est la Kerkoveana variegata qui, elle aussi, bon, c'est compliqué. Il n'y a que cette partie-là. Alors, on voit pas très bien. Il n'y a que cette partie-là, derrière, qui en fait avait une nouvelle feuille qui était en tube au moment où je l'ai enlevée, qui avait encore des racines et que j'avais mise en pont. Et la feuille s'est déroulée. Donc je crois que ça va. Au moins, il me restera ça, si jamais les boutures ne prennent pas. Grosse déception, énorme déception, c'est ma Frydeck, qui c'est l'automne quoi. Et j'ai acheté une Black Velvet, je crois pas vous en avoir parlé, donc je l'avais mise en pont et hier j'ai enlevé une feuille jaune aussi. Je pense vraiment qu'elles ont froid et qu'il faudrait que je puisse mettre ici un tapis chauffant, sauf que j'ai un peu des problèmes de branchement électrique et j'ai pas de tapis chauffant supplémentaire. Donc il va falloir que je me penche sur la question si je veux pouvoir les garder et les laisser passer l'hiver. Alors, ces trois-là, ici on a mon Mycanse qui est ultra rouge, mon Brasil et mon Néon. Alors, le Mycanse va plutôt bien. Le Brasil, par contre, ça fait un peu pareil que le Mandjoula. C'est-à-dire que les nouvelles feuilles sont très très bien. Voilà, elles sortent, elles sont super. Mais par contre, à la base, j'enlève tout le temps des feuilles qui jaunissent comme celle-ci. Voilà, donc ça m'agace pas mal et pareil, je sais pas quoi faire, surtout que je l'ai rempoté récemment. Bon, voilà. Et le lemon lime, par contre, il n'y a pas de problème. J'ai dit néon tout à l'heure, non? C'est un lemon lime. Donc voici les deux marantas en pont que j'ai mis sur tapis chauffant. Donc la silver band, je l'avais mise en pont parce que ça n'allait plus en terre. Elle ne faisait pas de nouvelles feuilles, elle commençait à prendre une teinte assez bizarre, qu'elle a perdue d'ailleurs. C'est redevenu normal. Et quand je l'ai mise en pont, elle a pas trop apprécié la transition. Donc du coup, ben, c'est pour ça que j'ai mis le tapis chauffant pour elle. Et la lemon lime, pareil, je sais pas trop pourquoi. Puisqu'au début, ça se passait très très bien en pont. Surtout que c'est des boutures qui sont parties d'eau. Donc je voyais vraiment pas de raison pour laquelle ça pourrait pas bien se passer. Et je l'ai mise donc sur le tapis chauffant. Et depuis, elle sort des nouvelles feuilles. Donc je pense vraiment que c'était une question de température. Celle-ci, elle galère vraiment à s'ouvrir. Ça fait un moment qu'elle est là. Mais bon, là il y en a des nouvelles qui sortent et qui n'étaient pas là avant que je mette le tapis chauffant. Et j'ai dû le mettre il y a une ou deux semaines, même pas. Une semaine, ouais, je pense. Donc vraiment, je pense qu'elle apprécie. Par contre, il faut que je fasse hyper attention parce que l'eau qui est à l'intérieur s'évapore ultra vite. En 2-3 jours, il n'y a plus d'eau. Alors que celle-ci, ça va parce que vous voyez, le cache-pot est serré. Donc du coup, ça peut pas s'évaporer sur les côtés. Mais là, ça peut s'évaporer sur les côtés. Et donc du coup, ça s'évapore à une vitesse absolument dingue. Au niveau des Hoya, tout va bien, rien à signaler. Ma Maranta Black, elle, par contre, aucun problème, elle a pas froid, elle ne se plaint pas du tout d'être en pont et que ce soit l'automne. Elle fait même une nouvelle feuille là qui s'annonce absolument gigantesque et elle continue à faire des fleurs. Alors moi je suis pas très très fan des fleurs de Maranta, mais bon, je sais pas pourquoi elle continue d'en faire alors que c'est plus trop la période et que les autres ont arrêté. Là, le Silver Glory va bien. Oui, je sais, cette étagère, il faudrait que je la nettoie. Celle-ci, c'est la bouture que m'avait fait Isa. Alors, au départ, elle avait des grandes feuilles, sauf que les grandes feuilles, je les ai trouvées de plus en plus moches, donc je les ai coupées. Donc, je crois que tout ça, c'est ce qui a poussé depuis que j'ai fait la bouture que j'ai mise en pont. Et elle aussi, aucun problème, elle ne se plaint pas des températures. J'ai mis mon lupinum ici en espérant qu'il ait plus de lumière, mais bon. J'ai vraiment l'impression que c'est un escargot au niveau de la vitesse de pousse, cette plante. Il a fait que 3 feuilles depuis que je l'ai fin août, quoi. Donc une feuille par mois, c'est la vitesse d'un Pothos Moonlight, en fait. Du coup, vu que j'avais de la place et que j'ai dû faire de la place pour mes marantas, qui sont en bouturage sous ma lampe, j'ai mis mon Hoya Carnosa tricolore ici. Je l'aime trop. Franchement, aucun souci avec celle-ci. Et mon Pothos Golden devient extrêmement, extrêmement massif. Dans ma cuisine, ensuite, on a...
cette misère zébrina, je vous avais montré dans des vlogs que j'étais repartie de zéro pour cette plante parce qu'elle se dégarnissait à la base. Et je m'étais dit au départ que c'était l'emplacement peu lumineux qui avait fait qu'elle allait pas bien. Et en fait, je pense pas du tout que c'était ça. Je pense qu'il y avait eu un souci d'arrosage parce que ben là, franchement, c'est pas très lumineux. Toujours pas. J'ai rien changé. Et ça va. Super. Rien à dire. Celle-ci, ben, je me suis rendu compte tout à l'heure en arrosant que j'ai dû louper un arrosage parce qu'elle était en train de sécher. Donc là, je suis en train de la laisser baigner. Je pense que je vais la laisser un bon petit temps. Elle va toujours super bien, elle me pose aucun problème, elle est trop satisfaisante. Et à ce niveau-là, on en parle de cette merveille. Alors je vais aller vous la mettre plus à un endroit où je peux vous montrer. Alors c'est la Tradescantia zebrina quadricolore, qui est une plante plutôt rare, qu'on ne trouve pas encore trop. Alors je vous avais expliqué, il me semble que quand je l'ai eue, je l'avais mise dans la cuisine, mais sans le néon. Et elle faisait des tiges comme ça, qui étaient vraiment, vraiment moches. D'ailleurs, je pense que cette tige, à terme, je vais l'enlever, voilà, parce qu'elle est vraiment pas belle. Et une fois que j'ai mis le néon, voilà ce qu'elle a sorti. C'est juste... Pouah. C'est juste dingue. Je suis trop, trop fan. Alors voilà, ça, c'est ce qui a poussé avant le néon, par exemple. Et ça, c'est ce qui a poussé depuis que j'ai mis le néon sur l'étagère. Donc on voit vraiment la différence. Après, je trouve ça sympa, du coup, que ce soit un peu panaché comme ça. Mais je suis trop fan de cette plante. Alors ça fait plusieurs fois que je coupe et que je replante pour la refournir. Je pense que ça, je vais bientôt le couper et le remettre à la base. Et ça, je pense que je vais l'enlever parce que c'est pas joli. Cette petite Tradescantia, dont je me rappelle plus du nom, Mundula, on me l'a dit en commentaire, je l'avais noté, va bien. Elle a bien, bien grossi depuis et je suis super contente du coup. Et je crois que je vous l'avais pas dit, mais j'ai récupéré de ma classe une bouture de la Tradescantia fluminensis classique. On m'a dit que c'était la version la plus simple. Parce qu'elle pousse à une vitesse absolument phénoménale, à tel point que mon élève n'a même pas remarqué que j'avais coupé un petit bout. Donc je l'ai mise en eau et en deux jours, il y avait des racines. Donc je l'ai mise là. Je me suis dit que même là, sans le néon, elle devrait survivre sans problème. Ce truc a l'air trop facile. Et effectivement, depuis que je l'ai mise, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc c'est tout pour ce vlog. J'espère que cet update slash rempotage slash entretien plante vous aura plu. Désolée d'avoir posté plus tard que d'habitude, mais je sais que le dimanche soir vous aimez bien aussi, parce que sûrement que ça a un côté un peu cocooning le dimanche soir avant de reprendre le travail pour la semaine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !